Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Number et je vous fais encore une petite vidéo. Ce sera la deuxième, oui, mais pour vous montrer la top league qui vient de spawner. Voilà, nous sommes sur le serveur Gouldar. Un moment rare, en même temps on était juste un peu une cinquantaine à lui demander de spawner. Il s'est connecté de base, bon normalement juste pour me faire sortir de prison. Bah maintenant il se retrouve à, comme vous voyez là, répondre à des questions. Et beaucoup, 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 beaucoup de questions. Donc voilà. Je vais essayer de voir si un défi ça lui branche. Alors. Donc j'espère bien qu'il va accepter le défi. Ce serait vraiment bien. Voilà, bon. Ben non, je crois bien qu'il va partir. Au pire, je vais essayer de vous trouver une petite agression PVP. On va un peu le troller. Je vais dire à vous, t'as peur de perdre. Suis sûr que. En tout cas, j'espère simplement qu'il va pas mal le prendre. Booster, je n'ai pas. Voilà, comme vous voyez, il est vraiment en train de répondre à la masse de questions. Il y a vraiment la masse de personnes. Quand ils ont su que Toblic était là, c'était. Dans 1 heure, j'ai déco mon pote Toblic, mon PC, plus de batterie. Ok, bah ouais, bon, bah voilà. Les gens, ils vont pas tarder à. Ben, il y en a plein qui vont pas tarder à déconnecter. Je voudrais bien quand même vous trouver une petite agression là, mais. Je vais juste retrouver mon message si possible pour le. Parce que oui, c'est très 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 dur de lui parler. Car comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Dommage qu'il n'accepte pas le petit défi. Il veut le rentrer dans la guilde en Kama. Faut pas rêver, il n'y a que les modérateurs dans cette guilde. Bon bah voilà, moi je pense que j'allais vous trouver une petite agression vite fait. Ouais, je pense pas qu'il répondra à ces messages puisque. Alors. 6 fois sanctionné, ne pas respecter. Ah oui, quand même, lui, il a pris cher. T'aurais été dégoûté de perdre, donc non. MDR. Bien. Oh bah là en fait là ça. Comment vous expliquer? C'est un pote et il croit vraiment me battre en fait, donc je lui. Pour te violer, non, la flemme. Donc comme vous voyez, il pense qu'il va battre mon Inirippsa. Je suis niveau 158 pour information et lui doit être niveau 80. Juste par la différence de niveau, je le bats. Hein, donc voilà, mais il est persuadé de le battre. Donc on va bien voir. On va juste ramener encore un peu de monde là-bas. Je vais juste dire Toblic le modo. En zap, Astrup. Ah là, il y a encore un de mes potes. Lui, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, Lizaki. Donc voilà.
Au cas où, s'il regarde cette vidéo, je lui passe une petite dédicace. Petite dédicace. Désolé pour ma voix, elle est un peu chelou là. Ah, il croit me battre, on va lui laisser un espoir. Ouais, je lui passe une petite dédicace parce que c'est vraiment un pote, il est vraiment sympa et tout. Puis bah là, il s'est lancé dans le PVP avec sa Sramet. En même temps, il a plein d'autres persos, bien évidemment. Mais bon, là, comme vous pouvez voir, j'ai quasiment pas de Kama sur ce personnage. Je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. On va vite s'en faire, je pense. Hop. Bah, au moins, comme ça, vous aurez un petit défi. Non! Ah oui, il faut que je remette toute ma panneau. Allez, merci de te mettre. Merci. Je pense qu'on va la jouer comme ça. Ah, la petite dragonnade, ça faisait longtemps ça. Ah, j'avais oublié que j'étais plus abonné. Merci, tirer toi. Hop. Au moins que ça, vous verrez un petit duel contre ce petit joueur. Désolé si je joue vraiment mal ma classe, mais j'ai pas joué Neripsa depuis combien de temps? 2 mois. Ouais, parce qu'il s'est fait bannir il y a 1 mois et demi et j'ai juste de le reprendre car ils ont mis deux semaines avant de comprendre qu'il fallait me le débannir. Et ensuite ils ont mis une semaine et demie environ à juste besoin de faire venir Toblik. On voyait 800-800. Voilà, c'est bon, c'est fini. Juste le faire un petit peu rager. Bon, bah voilà. Voilà, total rage quit. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un total, total rage quit. Là, il peut pas faire pire que ça. Je crois bien que je l'avais dans ma liste. Normalement, oui. A pris cher. Bon, allez, donne 1 million, je te viole. Lol. Dommage qu'on puisse pas faire de comment dire de duel contre Toblik. Car ben, franchement, je pense pas le tenir. En même temps, c'est un modérateur. Hein. S'il veut, il se met niveau 200, il se met même niveau 1, puis nous one shot sur la carte. Mais s'il joue approximativement fair play. Il y a moyen que je le batte. Je vais juste aller voir si mon pote ça lui dit pas une petite aggro. Parce que comme ça, au moins, je vous ferai une vidéo. Ouais, on va dire de 10 minutes, 10-15 minutes. Parce que c'est bien, on a vu Toblik, mais bon, voilà. Qui ne l'a pas vu? Ok, il y a peut-être beaucoup de gens. C'est peut-être un moment rare quand même, parce qu'il se pointe pas souvent Toblik. Ça, je tiens quand même à le préciser. Moi-même, je le vois rarement. Attends, je suis fait coco. C'est number. En vidéo, virgule. Ça te dit. Petit. Duel. J'espère qu'il va très vite me répondre. Ça m'arrangerait. On va mettre ce panneau, même si bah, je trouve d'un côté c'est bien qu'ils aient mis ça, bon d'un autre. Voilà, c'est vraiment un petit truc. C'est vraiment petit petit. S'il te plaît. J'aurais presque envie de la défier elle, mais je suis sûr, même au niveau 30, elle me bat. Donc, ouais, je pense pas non plus quand même, faut pas abuser, mais. Ah, faudrait qu'il accepte. Ah, bien dommage. On va faire ça. Pense, ils vont vite lancer.
suis pas sûr qu'il y aura. Ouah, le monde, le monde, le monde. Pan. Aucun bot. GG modo. Le smoder. Smoder. Modérateur. Tu veux que tu bannes combien de personnes? Voilà, là comme vous voyez, franchement, c'est du gros flood. Mais oui, là c'est un max de flood. Là, Toblic il est là, puis il y a tout le monde autour. Mais non, mais lui m'énerve, lui. Il croit me gagner, c'est un pote, il est marrant, mais bon. Quand il sait qu'il va pas gagner, faut qu'il abandonne. Je suis sûr même d'ici, à moins que je le touche. Ah mais non, j'ai pas la. Ah j'ai pas la portée de ma Dragodan. Ma Dragodan normal me donne 2 PO. Comme je vous ai montré, c'est une prune. Donc normalement elle a 2 de portée. Ah je sais pas trop quoi faire là. Ah, j'avais oublié qu'il y avait mode envol sur un petit Ténirip, ça. Oh, ça va. Ça tape très peu parce que le pare-shotage n'est pas terminé, bien évidemment. Quand il sera terminé, je pense taper 400-400, je pense. Donc voilà, comme vous voyez un Rox, hein, voilà. Je peux bien vous montrer. 32-27. Donc voilà, un combat encore achevé. Arrête de te vanter. Non, ça c'est parce que juste avec mon Eka Flip 70, je le défonce. C'est pour ça. Là, il le prend mal, là, d'un coup, là. Il est dégoûté. Moi, je pense que je vais vous laisser sur ça. Sur les deux défaites de mon pote, plus comme vous voyez ici, Toblic. Voilà, un modérateur. Je trouve quand même que c'est un bon modérateur. Ok, il joue sur plusieurs serveurs. Ok, il est rarement co. Mais je trouve quand même que c'est vraiment un bon modérateur, comme Siemens. Au niveau de Gultar, c'est de bons modérateurs. Ils répondent présent quand il y a besoin. Donc voilà, je les remercie à eux. Et s'ils voient cette vidéo, ben. Laissez-moi un petit message. Et voilà. Bon bah merci les gars. En tout cas, merci à toi Toblic de m'avoir débanni mon Eneri. Bah pas débanni mais plutôt sorti de prison mon Eneripsa. Je te remercie. Et voilà. À plus. Salut. Et bon jeu les gars.